Enfant de Calenzane, Samuel s'est un temps appelé Brian. C'était au cours des années 90, lorsque mannequin, puis chanteur de boys band à l'énorme succès, on lui a choisi ce prénom. Aujourd'hui, c'est sous son véritable patronyme qu'il amorce une nouvelle carrière, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Samuel. Enfin, bizarre, dans votre jeunesse, hein, dans votre jeunesse, vous connaissez le principe de l'émission. On va parcourir justement cette vie, la vôtre, à travers des photos. Et là, comme je disais, on a les photos de l'origine. Et moi, j'ai envie de commencer ici, hein, parce que là, la Torres et Biancogne. Là, c'est la partie Torres. C'est qui là? Là, c'est mon papa colombien. Elle est très belle cette photo. Hein. Ça fait bizarre de la voir en grand comme ça. Qui la sagesse incarnée. Qui nous a, moi et mes frères, inculqué une philosophie assez sage de la vie, et voilà, quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie. Aujourd'hui, il vit à Madrid. Tout à fait. Il est architecte à la base, votre père. Exactement. Et aujourd'hui, il se consacre à sa passion, le jazz. Hein, je crois, c'est ça. La musique, la danse, c'est vraiment un melting pot de tout ce qui est artistique, que ce soit même le saxo, le piano, enfin, diverses choses. Et je pense qu'il est très heureux, et je suis heureux de le savoir heureux, parce qu'il fait ce qu'il aime et il fait à 2000 à l'heure. Donc c'est Torres. Biancogne, c'est là, c'est votre maman. Alors ça, c'est... Ils se rencontrent où d'ailleurs, tous les deux? Ils se rencontrent, l'anecdote est assez sympa. La sœur de ma maman, Angèle-Marie, fait des études à l'époque à Florence, des études d'architecture, et mon père également, dans la même ville à Florence. Donc automatiquement, ma mère rend visite fréquemment à sa sœur. Et c'est là qu'il rencontre mon père. Et il réussit un tour majeur, c'est le ramener à Calenzane. Elle lui dit, viens vivre à Calenzane. Voilà. Mon père ne sait pas du tout où c'est. Donc, il se laisse porter, et voilà, et il arrive à Calenzane, 700 habitants l'hiver. Vous avez quel âge, là? Je suis petit, genre 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc là, vous êtes en Corse, à 2 ans et demi. En Corse. Par contre, vous n'êtes pas né en Corse. Hein, avant de venir à Calenzane, là, ma maman a accouché à Paris, dans le 9e. Et voilà, c'était vraiment le temps d'un accouchement, on va dire, de revenir sur ce que j'appelle ma terre. Quoi. Voilà. La terre, là, justement, la voilà, votre terre. Alors ça, c'est une maison en construction. C'est votre deuxième maison, la première. Hein. D'abord, vous avez vécu dans la maison familiale. Dans le village, ouais. Comme beaucoup de Corses, cette expression, quand on dit on va faire la villa. Ouais. On va faire notre villa, une maison plus grande, plus spacieuse. Donc on quitte le village, mon père décide de faire cette grande maison qui, je ne sais plus, elle devait faire au moins, même petit, elle me semblait grande, mais elle est toujours grande, dans les 250 mètres carrés, donc il y avait de la place pour mes frères et moi. Et c'est pareil, c'était un endroit calme. Et ça me fait très bizarre, Luc, de voir ça, parce que maintenant, tout ce que tu vois derrière, tout est construit, tout est... Parce qu'elle est où, justement? Elle est où? Elle est à Sainte-Restitude, exactement. Ah, à Sainte-Restitude, dans d'accord. Le virage, avant d'arriver à Sainte-Restitude. Et c'était un terrain vague, on était les seuls dans cet endroit. Et là, malheureusement, enfin, la vie est comme ça, il y a plusieurs constructions autour. Mais justement, on parle à l'imparfait. C'est-à-dire que maintenant, vous revenez souvent, Samuel, en Corse. Hein, c'est très souvent, évident, ouais. Très souvent. Mais vous ne revenez pas dans cette maison quand vous venez? Non, cette maison est louée, et à une famille qui a plusieurs enfants. Et mon père a pris une sage décision en me disant qu'on ne peut pas vulgairement mettre ces gens dehors. Oui, pour que vous puissiez passer quelques jours en été. Quelques jours en été, voilà, ça ne se fait pas. Alors là, tiens, moi, c'est cette photo qui m'intéresse. Ça, c'est... La classe, donc, votre classe. Vous êtes resté de 2 ans jusqu'à 19 ans. Exactement. En Corse. Hein, vraiment, exactement. Vraiment. Là, on est dans l'école de Calenzane. Tout à fait. Vous êtes là. Je suis là. Et qui y a autour? Vous reconnaissez un petit peu les gens qu'il y a autour ou pas? Je pense que oui, je pense. Alors... Là, c'est Lucie. Je vais le nommer en premier parce que c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi, même si je le vois peu. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment, quand il regarde cette émission, qui est cher dans mon cœur, comme tous ces gens-là, mais particulièrement Lucien et François Paolini, mon cousin. Et Toussaint aussi Paolini, mon autre cousin. Voilà, ça, c'est quelques prénoms. Et on a Marie Mambrini aussi. Excellent. On a Bruno Subrini, Bruno François, Castellane Marie-Jeanne, Frédéric... Paul, Thierry. C'est incroyable, parce que cette émission est réalisée sans trucage. Hein. La photo, je l'ai choisie comme ça. Vous vous souvenez de tout le monde? Voilà, je pense. Il y a juste, je vais être honnête, je l'ai sur le bout de la langue. Il me manque
que celui-là. faudra qu'il nous appelle. Voilà, exactement. De 2 ans, je disais, à 19 ans en Corse. Tout à fait. Vous passez donc le primaire à Calenzane. Ensuite, le collège, ça se passe où ? Calvi. Dans quart de ramassage qui vient nous chercher le matin, à 7h30. On va à Calvi tous les matins, tous les soirs. Lycée Ilrousse. Oui. Voilà. Bastia, lycée aussi. Et Ajaccio, lycée aussi. Tout ça aussi à cause de mon père. Alors, Bastia, pourquoi ? On y viendra plus tard. Pour la prochaine photo, je pense. Et Ajaccio, plus... c'était une raison professionnelle par rapport à mon père. Oui, parce que votre papa, on n'a pas eu le temps de le dire, mais votre papa, il a construit quand même le Biblos. À Calvi, oui, l'escale. À Ilrousse. Donc effectivement, partout où il va, il laisse des traces. Exactement. Et ici, on est à Bastia, justement. Voilà. À Bastia, vous vous consacrez vraiment, vraiment au tennis. Alors, j'en reviens, pourquoi ma venue au lycée de Bastia ? Ouais. Pour pouvoir être interne. Et même, je me rappelle, une année, j'étais chez une dame, une particulière à Bastia, qui me logeait pour me permettre d'aller aux entraînements. Parce qu'on a des horaires au lycée, même à l'internat, qu'on doit respecter. Donc ma venue à Bastia était spécialement pour pouvoir jouer au Corsica Country Club, qui était le club numéro 1 à l'époque. Vous vous souvenez des prénoms ou pas, là, encore ? je pense, oui. On a Fabrice Escudé, qui était un très bon joueur. Jean-Jacques Fournier, très, très bon joueur aussi, qui est maintenant prof. Mathieu Calendi. Un trou de mémoire et passionne. Excellent. Et comme vous avez la bougeotte, du moins quand votre papa a la bougeotte, vous allez retourner à Paris, hein, après Bastia, justement, Paris. Un court séjour à Paris. Et puis après, votre papa, il est carrément appelé aux États-Unis. Exactement. Pourquoi faire ? Alors, il doit faire la deuxième partie de Disneyland et on part à Los Angeles. Et là-bas, encore à Los Angeles, vous allez jouer pour l'université, exactement, d'ailleurs. Hein, à Glendale. À Glendale. Exactement. Ça va durer combien de temps, d'ailleurs, à Los Angeles ? Ça dure au moins 3 bonnes années. Donc ouais. Vous parlez quoi ? Anglais couramment ? Couramment, sans problème. Et au bout de ces 3 ans, je crois que vos parents se séparent d'ailleurs ? Exactement, il y a une séparation. On rentre à Paris. Je sais pas comment on va décrire ça. Il y a une rencontre qui se fait. Je suis interpellé dans... Eh bien non, justement, on ne va pas aller trop vite. Justement, vous rentrez à Paris, beau gosse et tout, vous baillez dans la rue. Et là, il y a votre nouvelle vie qui débute. Et la nouvelle vie est dans la pièce d'à côté, si vous le voulez bien, Samuel. Et oui, c'est comme ça que ça se passe dans l'émission. Okay. Alors, on y va ? On y va. Allez, c'est parti. Oui, donc Samuel, la mise au point, c'est maintenant. Asseyez-vous. Donc, vous revenez en France... 22, 23 ans. Exactement. Et maintenant, on va faire la mise au point sur ce qui s'est passé après. C'est très simple. Hein. Il va y avoir des photos, des images qui vont défiler sur ce mur. Et vous allez réagir. Très bien. Donc, un jour, vous baladez dans la rue. Vous vous baladez dans la rue à Paris. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, mes premiers pas. Ça fait drôle. Bon, c'est mes premiers pas dans le mannequinat. Je me fais accoster par un monsieur qui était patron d'une agence, l'agence métropolitaine. Et ça va très vite. Les défilés arrivent, les shootings, les photos... Mon indépendance, mon premier appartement très jeune, et puis voilà, tout s'ensuit. Les shootings, les photos et les pubs aussi. Regardez, j'ai retrouvé cette pub. Ultra fixé. Alors, je vous ai cherché. Vous n'y êtes pas sur celle-là. Alors, Studio Lines, exactement. Et je me rappelle même de l'action. C'est fou. Où je me jette sur un canapé en arrière, j'ai les cheveux qui sont jusqu'à là. Et c'est exactement de la même série que celle-là. C'est dommage que... Bon, enfin, non, je ne l'ai pas retrouvé, celle-là. Donc, ça marche bien, effectivement. Ouais, hein, ça marche pas trop mal. Indépendance financière, beaucoup d'argent quand même si jeune. Comment vous gérez ça ? Honnêtement, je gère bien. Il n'y a aucun travers, pas d'alcool, pas de drogue. Parce qu'on m'a dit que vous étiez habitué des bains douches quand même. On voyait excessivement souvent bains douches. Et les bains douches, c'est vrai qu'effectivement, il y avait un peu de drogue qui traînait. Même beaucoup, ouais, oui. Mais bon, après, voilà. Arrivant de mon petit village de Calenzane avec mes idées, mon éducation et ma ligne de conduite, on a réussi à passer à travers tout ça, quoi. Et donc, pareil encore, vous êtes mannequin et un jour on vous dit, tiens, viens passer un casting pour faire quelque chose. Est-ce qu'on vous dit pourquoi faire d'ailleurs ? En fin de compte, c'est mon agence c'est le booker de mon agence qui me dit, il y a un casting et c'est un casting hors agence. C'est un casting qu'il a en privé, il entend parler de ça, il m'en parle à moi personnellement. C'est important de le souligner parce que c'est pas toute l'agence qui est partie faire ce casting. Je sais que c'est pour faire un groupe de musique, les boys bands à l'époque, mais je sais pas du tout ce qu'on va me demander, Luc. Donc, ma surprise est... assez grande quand je découvre un peu tout ça, quoi. Et quand on vous dit, bon, ben, c'est pour ça, est-ce que tu sais danser ? Est-ce que tu sais danser ? J'ai dit, ben, déjà, je ne vais pas danser. Ouais. On me demande de danser, je dis, non, je ne danse pas. On me dit, est-ce que vous connaissez une chanson ? J'ai dit, ben, écoutez, je connais un peu Bryan Adams, une chanson qui s'appelle Everything I Do, I Do It For You. Je connais un peu le début, je connais un peu la fin.
Il me dit le refrain, pas beaucoup. Donc ça part pas très bien. Et à la fin de tout ça, je leur dis, en revanche, il faut vite me dire la réponse parce que j'ai loué une maison en Corse avec des amis et je ne peux pas perdre la location. Donc un détachement total sur ce casting parce que je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. C'est quelque chose qui a, pour moi, impossible à réaliser. Et je ne pense pas avoir les qualités requises pour faire ce genre de choses, quoi. Et quelques temps plus tard, ouais. Eh ben ça donne ça. Voilà. C'est bon, c'est bon. Première télé, c'est dingue. On se souvient tous de ça. Hein. Ça, c'est... Combien vous en avez vendu de... On a vendu en tout 3 800 000 disques, quelque chose comme ça. Album et CD confondus. Et d'ailleurs, la caméra est vachement sur vous à l'époque. Jacques Martin, quand on pensait chez Jacques Martin, c'était la consécration. Hein. Alors, je vais même vous dire mieux. Quand on fait Jacques Martin, c'est une consécration. Et quand vous faites des cols des fans, c'est une double consécration. Vous avez fait ça aussi. On a fait école des fans. Les enfants chantaient nos chansons. C'est quand même incroyable. Ça dure... C'est assez bref, hein. C'est quoi, 3-4 ans? Ça dure 3 ans. 3 ans. Mais bref et pas bref, parce que quand on compare les télé-réalités, que ça dure de quelques mois, c'est 3 ans avec un rythme effréné. Donc c'est quelque chose qui est, vous voyez, bref et en même temps qui est long, quoi. Alors, il y en a un qui est mort, y a votre meilleur ami hein, de l'époque, qui est décédé. Il y en a un autre qui est entré en religion, qui renie ça. Vous reniez ça ou pas, Samuel? Moi, pas du tout. Non, c'est bon une souvenir. Expérience superbe, mais si c'était à refaire, je le referais demain. On a des belles photos, d'ailleurs, quand vous étiez revenu à Calenza, à Nala, avec tous les enfants au milieu. Non, mais ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est une émotion qui est... Je ne pourrais même pas décrire ce moment-là. J'ai l'impression que c'était hier, tous ces enfants. Là, c'est une photo, donc c'est un moment qui s'arrête. Et je revis ce moment qui est dingue. C'est les cris des gosses, c'est de joie. C'était incroyable, quoi. Incroyable. Mais ça s'arrête un jour. Ça s'arrête. Un jour, ça s'arrête, vraiment. Ouais. Et il y a quelque chose aussi qui se passe dans votre vie, c'est que vous perdez votre maman. Oui, exactement. Gros drame. Hein. Vous étiez très, très, très attaché à votre maman. Ouais. On a la photo juste à côté. Et donc, après ça, justement, j'ai envie de vous montrer cette photo. Ah, c'est Steve Calfa. Ah, ça, par contre, c'est un... Parce qu'en fait, après votre maman, vous prenez des cours de comédie. Je fonce chez lui. Vous foncez chez lui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Quelque chose... J'entends tout et n'importe quoi. Je prends ce qu'il y a à apprendre autour de moi. On me dit que c'est bien d'extérioriser. J'ai quelque chose qui est très lourd au fond de moi. Les conditions sont terribles, la mort de ma mère. Et j'ai une audition avec ce monsieur qui est très, très fort, qui est pour moi un des meilleurs profs de théâtre. Et si quelque chose se passe, il me prend dans ses cours d'entraînement. C'est même pas des cours de théâtre, c'est des cours d'entraînement où s'entraînait Julien Boisselier, enfin plusieurs personnes, des gens du cinéma. Et ça me plaît, ça me fait du bien, et je continue. Et c'est là que je commence à tâter un peu ce monde-là. Je le laisse de côté. Ce monde de la comédie, mais ça vous sert vraiment de thérapie, ça. Hein. Vous avez exactement. Un trop plein d'émotions, trop, que vous avez dit. Exactement. Ouais, j'ai trop plein, donc j'ai trop de choses à dire, et du coup, cette espèce d'audition, il veut que j'assiste à ses cours, quoi. Mais ça continue, les choses qui ne vont pas bien dans votre vie. Parce que quand vous commencez à remonter un petit peu la pente, justement, vous avez des pubs pour Azzaro, pour... Oui, exactement. Hein, c'est ça ? Oui, oui, oui. Il y a ça. Là, on vous voit. Alors, c'est surtout votre jambe qu'on doit avoir. Accident de moto. Accident de moto très grave. Accident de la route. Vous avez risqué l'amputation, là. Hein. Je perds 14 cm de tibia. J'ai un fixateur, comme on peut voir sur la photo, pendant 2 ans. On part en guerre, c'est-à-dire qu'on lâche pas, on me dit que je vais plus remarcher. Je dis à ce moment-là, j'avais le choix des larmes ou le choix des armes. Pour moi, ça a été le choix des armes tout de suite. Donc on s'est battu, on est parti en rééducation au CERS à Cap-Breton, 6 séjours et on a réussi à remarcher et récupérer. Combien de temps ça a pris, Samuel ? Ça a pris de 2008 jusqu'à 2011. 2011. Et vous perdez quelques opportunités, je le disais. Hein. Il y a Mafiosa aussi, on veut vous prendre dans Mafiosa parce que, acteur, vous êtes plus ou moins bon. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Mafiosa aussi parce que vous ne pouvez pas marcher, on ne vous prend pas. Donc vous perdez beaucoup de choses. Enfin, je tourne, mais pas ce que je devais faire. Et il se passe quelque chose, là, par contre, miracle de la vie. Samuel, c'est ça ? Et là, justement, il y a la naissance de votre petite. Et là, ça vous redonne goût à la vie. Et j'ai l'impression que là, la boucle est bouclée. Parce qu'à partir de ce moment-là,
Vous ne voulez plus vous appeler Brian, vous voulez vous appeler à nouveau Samuel. C'est là que ça repart. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Je suis désolé, j'ai un peu... C'est pas grave. Ouais, c'est le jour où j'apprends que... Je suis avec mon ex-compagne, j'apprends que je vais avoir une fille. Et le soir même en rentrant, ça paraît bête peut-être, mais c'est une signification pour moi. Je rentre sur Facebook, et j'efface Brian et je mets Samuel. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, une nouvelle vie commence. Vous vouliez une fille à en mourir. À en mourir. À en mourir. La seule chose que j'ai demandé à ma mère, je ne demande pas grand-chose en haut, même. Voilà, je crois à certaines choses, mais la seule chose que j'ai demandé en haut et à ma mère, c'est de me donner une fille. Elle est là, Lou, elle a 5 ans aujourd'hui. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de changer de pièce si vous voulez bien, parce qu'on a bien compris que vous êtes dans une nouvelle carrière maintenant, oui. La carrière de comédien. On va voir comment ça se passe. Allez, d'accord. On reprend nos esprits et on va ailleurs. D'accord. Allez, venez Samuel. Alors Samuel, séquence sur ex ou sous ex, c'est très simple, hein. Asseyez-vous. On a tapé votre nom sur un moteur de recherche sur Internet, bien sûr. D'accord. Hein, c'est comme ça, on voit un petit peu votre vie sur le net. Donc on a mis Samuel Torres. Qu'est-ce qui va sortir, Samuel Torres? Est-ce que vous avez tapé déjà votre nom ou pas, vous? Ouais. Non, bon, de temps en temps, je regarde un peu par rapport aux actualités. Surtout. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il sort ça. Le percussionniste qui s'appelle Samuel, vous le connaissiez ou pas? Non, pas du tout. C'est marrant, c'est un... Et puis il y a Brian Torres aussi. Ça, j'avais vu. Ah, vous connaissez? Ça, j'avais vu. C'est vraiment un prénom de chanteur. J'avais vu. Mais il faudrait oublier, justement. Oui, cette, je pense. Hein, c'est tout, parce que vous continuez à... On vous voit de temps en temps encore faire des... Ah oui. À 41 ans, toujours aussi sexy. Non, mais vous en faites pas trop de soirées? Rarement, très rarement. Ça, c'était pour une association, c'était pour Alzheimer. Exactement, parce que vous faites, là aussi, Solidaire. Je suis parrain d'une association. C'est quoi cette association, Solidaire? Alors, Solidaire, c'est une association, on récolte des cheveux pour les gens qui ont le cancer. Il y a un salon qui s'appelle le salon de Carla Mori, qui est à Rue de Longchamp, à Paris. Voilà, donc les gens qui ont les cheveux très très longs, des femmes, des hommes, voilà, vont se faire couper les cheveux, on récupère ces cheveux. Et tous ces gens qui ont le cancer, il faut savoir que la Sécurité sociale rembourse dans les 128 euros une perruque. Donc je pense que ces gens-là ont droit à une certaine décence, surtout dignité. Les femmes, dignité. Bien sûr. Voilà, on essaie de leur apporter cette dignité à travers ces perruques et les gens qui font des dons. Et voilà, quoi. Et notre prochain gala sera bientôt d'ailleurs. Voilà, exactement. J'ai remarqué ça, c'est qu'effectivement, on vous voit très peu dans des soirées, vraiment people. Vous avez fini bien ça. Vu, Luc. Bien et vu. Et vous vous lancez complètement dans votre nouvelle carrière. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu vraiment à vous inviter. Et votre nouvelle carrière, eh bien, c'est celle-ci. C'est celle exact. De comédien. On va vous regarder jouer un petit peu parce que moi, je trouve que vous jouez très juste. C'est gentil. Regarde. Si cette pute dit que je l'ai violée, c'est n'importe quoi. C'est ce que tu voulais, non? Tu m'as chauffé toute la soirée. Salaud. C'est toi la salope. T'entends? Et tu sais très bien. Encore une qui n'assume pas ses fantasmes. Putain! Tu fermes ta gueule. Nous avons une relation consentie. J'ai rien à ajouter. Vous croyez? C'est quoi ça, Samuel? Ça, c'est Duel au soleil. On a tourné ça à Ajaccio, d'ailleurs. Là, c'était Marseille. Les scènes avant étaient à Ajaccio. C'est une série avec Gérard Darmon, qui est un super acteur, qui n'a rien à dire. Et c'est des très bons souvenirs, et voilà, quoi. Parce qu'avant Duel au soleil, on vous a vu quand même un petit peu dans Mafiosa. On le rappelait exactement. Tout à l'heure que vous avez raté un épisode, mais vous êtes venu sur la saison 4. Saison 4. Exactement. Mais vous faisiez encore ça comme un amateur. Hein. Là, maintenant, on vous sent un peu plus impliqué, quand même. Là. Tout à fait. Ouais. C'est exactement ça. Au début, c'était un peu grâce à Julie à Lyon, qui me mettait sur ses castings, sur ses films qui se tournaient en Corse. Et j'en faisais, sans mentir... Je vais faire un casting par an. Mm. Et ce qui est assez marrant, c'est que même en Corse, les gens ne savent pas que je suis comédien. Il y a pas mal de projets qui se montent et parfois je ne suis pas au courant ou je ne suis pas dans certains projets. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui me... Pas qui me blesse, mais voilà, j'aimerais être un peu plus dans ces projets parce que voilà, c'est ma Corse, c'est ma terre et j'aimerais être... Et c'est votre métier maintenant. C'est qu'est-ce qui métier. Vous plaît dans ce métier d'acteur?
Alors, on a vu que vous avez la sensibilité, effectivement. C'est jouer la vie, c'est jouer. C'est ce lâcher-prise qu'on peut avoir et que j'ai réussi à, je pense, à avoir, en tout cas, un minimum, malgré des expériences douloureuses, mais qui sont. On peut en tirer des choses un peu positives. Voilà. Donc, c'est votre présent. Est-ce que c'est votre avenir? Mais ça, c'est pas vous qui allez me le dire de suite. C'est notre chroniqueur, c'est Vincent Istria, qui est notre Madame Irma à nous. D'accord. Qui va vous dire un petit peu, et qui va nous dire tous, l'avenir de Samuel Torres Bianconi. C'est quoi? Pour lui, c'est ça, en tout cas. Le 16 septembre 2018, Samuel Torres Bianconi change officiellement de prénom pour se faire appeler Kilian Torres. Si Samuel a fait ça, c'est en partie dans le but de retrouver son succès des années 90, avec le groupe Alliage. À l'époque, on l'avait forcé, avec sadisme, à se faire appeler Brian. Et l'équivalent 2017 de Brian, bah, c'est Kilian. Et cette stratégie fonctionne bien, puisque plusieurs producteurs proposent spontanément à Samuel, enfin à Kilian, de former un nouveau boys band, puisque c'est de nouveau la mode. Enfin, plutôt un men's band, du coup. Enfin... Vu que Kilian le fait seul, c'est plutôt un man band. Enfin, un chanteur tout seul, quoi. Un chanteur, en fait. Ce retour de courte durée dans le monde de la musique offre de nouvelles opportunités à Kilian, comme celle de jouer le premier rôle de la comédie musicale romantique sur Pasquale Paoli, intitulée « Paoli, l'amour, plus fort que la constitution ». L'occasion de mêler ses deux passions, le chant et la comédie. Un succès, ne serait-ce que par curiosité, tous les corps vont le voir. Et rapidement, Kilian se sent même suffisamment à l'aise pour recommencer à s'appeler Samuel. Et c'est donc en tant que Samuel Kilian Brian Torres Bianconi qu'il rejoint le jury de Pop ou Star, ou le nouveau télécrochet de Viastel destiné à trouver la future star de la musique pop insulaire. Samuel y fait figure de juré ferme, mais juste, qui encourage les jeunes candidats à porter des chemises blanches moulantes, du gel dans les cheveux et de passer beaucoup de temps dans les cabines à UV. La première saison de Pop ou Star, où n'ayant finalement attiré qu'un faible public, Samuel décide de se consacrer plutôt à son métier d'acteur, notamment dans le projet de biopic consacré à Mémé Guérini. Il y incarne le rôle du sulfureux mafieux qui, comme lui, était originaire de Calenzane. En cours de production, le projet se change en comédie musicale. Mémé Guérini, l'amour plus fort que la prison, tourne dans toute l'Europe, laissant dans son sillage un public confus et légèrement offensé. Plus tard, une version patinage artistique du même spectacle créera une terrible polémique. Moralité, tout ne mérite pas d'être chanté. Vous écrivez, ça ne sera pas le futur, ça, on est d'accord. Non. Mais vous écrivez encore des chansons. Mais pour, pour vous, d'ailleurs. Pour vous, moi, oui, j'ai écrit à plusieurs, à des périodes fatidiques de ma vie, qui sont, comme je te disais, des trois dates qui ont été la mort de ma mère, mon accident et la naissance de Lou. C'est trois dates qui reflètent ma vie. J'ai écrit une chanson à la mort de ma mère, j'ai écrit une chanson pour mon accident, pour Lou. Enfin, mais vous ne les sortez pas, celles-là, parce que vous avez envie de vous consacrer complètement, vraiment, complètement à votre métier maintenant. Exactement. Et c'est sur DS Talent. On voit les photos, très très importantes, les photos d'ailleurs qu'on met sur une... C'est très important. Sur un book. Oui, non, mais c'est vrai, parce que c'est bien de souligner, car je dois en refaire... toutes les photos qui sont sur ce site, qui est très bien fait avec mon agent que j'adore, qui s'appelle Nathalie Dubourdieu, sous son conseil et même sur le conseil de différents directeurs de casting, on a besoin d'avoir une palette assez large de photos. Et malheureusement, la couleur que j'ai sur ce site, mes photos sont, c'est un peu toujours la même couleur. Tu vois, ce côté un peu dur, un peu flic, voyou. Ouais. Et malheureusement, les directeurs de casting ou les producteurs ou etc., ont besoin de s'identifier à travers les photos. Ils ont du mal encore à vous imaginer dans un certain rôle. Donc voilà, les photos ont un rôle capital. Il va falloir refaire capital. Il va falloir la refaire. Non, on peut la garder. Du coup. Mais, voilà, il faut le bon copain, le bon gendre, le banquier. Et alors justement, ça marche parce que cette Nathalie Dubourdieu dont vous avez parlé, c'est elle qui vous a trouvé le rôle. Exactement. Dans le bureau des légendes. Exactement. C'est un petit truc. Voilà. Mois de mars. Avec toute modestie. Mois de mars. Mois de mars. Sur Canal. Ouais. C'est le bureau des légendes. Et puis. Voilà, là j'entre à Paris après-demain, j'ai un casting, c'est un petit truc encore, pour l'instant on n'arrive pas à choper des trucs, on va dire gros ou plus importants, mais voilà, ça commence, ça fait 2 mois que je suis dans cette agence, Nathalie fait un travail de titan, et je pense que le déclic se fera avec les photos. Parce vraiment. Qu'elle a une vraie importance, cette Nathalie Dubourdieu. Un jour justement, elle est venue vers vous, elle a dit, Samuel, qu'est-ce qu'elle vous a dit d'ailleurs? Elle m'a dit, elle est venue vers moi, elle m'a dit, écoute, tu as fait 4 castings, tu as transformé les essais à chaque fois. Tu n'as pas envie de faire un peu plus sérieusement? Et un petit déclic s'est passé et j'ai dit, tu as raison, on va s'y mettre. Et voilà, on commence à s'y attendre. Et ça le fait. Et je peux vous dire que toute l'équipe, on est tous unanimes. Franchement, vous jouez juste, Samuel. On a de voir ce que ça donne dans le bureau des légendes. Ça me touche. Une tradition dans cette émission, c'est qu'on finit avec un selfie. Vous le mettrez sur les réseaux sociaux, celui-ci. Direct. Hein? Direct. Allez, faites-le avec moi. Hop, si je le trouve.
Voilà. Faites un petit sourire. Voilà. S'il vous plaît. Impeccable. Super. Samuel, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir ? La santé. Que ma fille grandisse et qu'elle soit aussi gentille, aussi belle et en bonne santé. Et puis un peu, on va dire, de réussite professionnelle quand même. Ça ne manquera pas, j'en suis sûr. Bon, d'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao.